mesure de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Attention aux distances de sécurité, gardez bien une petite distance, toujours le regard loin, regarde pas la roue arrière de celui qui est devant. Soldiers, I need your attention. If the weather forecast is confirmed, in 5 minutes, you will be in the air, heading for France. You understand me? This is not an exercise. Tonight, we will be dropping over Normandy. You might as well call it California, or Kentucky, or West Virginia, my home state.
Because we're fighting for something bigger than all that. A place with no borders, no limits. It's called liberty. Pas bougé, hein. Il est toujours là. Il est toujours du parachutiste. Ici à Sainte-Mère-Église, de 1940 à 1944, c'est une période d'occupation. Donc les Allemands, l'armée allemande qui vit à Sainte-Mère-Église et qui impose son mode de vie aux habitants. Et puis également à Sainte-Mère-Église, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, il y aura les parachutages américains. Au-dessus de Sainte-Mère-Église et sur un secteur de 25 km. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, un lieu de mémoire, et c'est pour ça qu'on a décidé d'y créer un musée, le musée Airborne, en 1964. Et à l'époque, le musée Airborne, il n'y avait pas tous ces bâtiments. À l'époque, c'était uniquement le bâtiment Waco, juste derrière vous, en forme de parachute. À votre avis, qu'est-ce qu'on va pouvoir amener dans les planeurs Waco qui va venir aider les parachutistes déjà sur place? Des munitions. Des armes, des munitions, tout à fait. Des véhicules. De la nourriture. J'ai fait des véhicules. Ouais, qui a dit des véhicules? Ouais. Non, mais c'était une bonne réponse. Non, il y avait Jeep, ça passe. Hein. Donc, dans les planeurs Waco, on va pouvoir également amener les premiers véhicules militaires, comme la Jeep, qui est juste ici sur le côté. Alors dans cette batterie, il y avait 170 soldats qui stationnaient. J'ai pas eu, j'ai pas tout arrêté, excusez-moi. Ils étaient 170 soldats au départ, et au moment des combats, ils seront plus de 250. Parce que du fait des débarquements, du fait des combats, des bombardements qu'il va y avoir aux alentours, les soldats allemands vont venir se réfugier dans les souterrains. Plus de 250 au moment du débarque. Alors c'est une batterie qui faisait partie du mur de l'Atlantique, qui servait à empêcher un débarquement sur les côtes. Et vous avez dû remarquer une particularité de là, cette batterie, que ce qu'on ne voit pas d'ici, même quand on est à l'extérieur. Voilà, on ne voit pas la mer. La mer, en fait, elle est à 5 km dans cette direction. C'est compliqué pour les Allemands qui sont ici, surtout qu'il s'est passé un événement important dans la nuit du 7 au 8 juin. C'est l'arrivée des deux obus de l'SS Nevada. Celui qu'on voit là et puis celui qu'on voit. J'imaginais même que c'était les deux sont arrivés en vacances, que c'était plus que c'est vrai que c'est pas que les deux bases sont arrivés en même temps, je pouvais le troisième. Vous avez vu comment... Alors je sais pas trop où se faisait la mise à feu, parce que vu que c'était une tête pleine, je sais pas comment ça marchait, si c'était
des minuteurs. Il doit y avoir un principe d'amortisseur sur le, entre la pointe et le corps. Ouais. Et au moment où c'est écrasé, ça doit se déclencher. Ouais, donc, il sait plus que ça ne s'est pas déclenché, parce que ça a été écrasé, vu tout ce qu'il a passé comme béton. Et les anciens nous racontent que la plupart des obus sont tombés dans les champs derrière et ils n'ont pas explosé non plus. Il y en a plein qui n'ont pas explosé, ils se sont enfoncés dans le... Ce domaine il y a bientôt 18 ans. Et au départ, on ne se doutait pas qu'on allait tomber sur un trésor assez dangereux, c'est-à-dire des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous avons acheté parce que nous adorons le 18e siècle et le Moyen-Âge. Et quand vous allez voir le manoir, vous allez comprendre pourquoi. Et lorsque j'achète, la maison n'est plus occupée depuis 3 ans, donc il y a des broussailles un peu partout. Donc je fais venir un gars avec un tractopelle. Le type commence à m'arracher les broussailles, par ici, puis il me fait un immense tas près du Noé là-bas. Il repart, je vais chercher de l'essence, j'arrose tout ça, j'ai craqué une allumette, et puis je me suis dit, tiens, j'allais boire un verre d'eau, parce qu'il faisait une chaleur insupportable. Je me dirige vers la maison, et à peine j'étais arrivé là-bas, bam, je suis resté comme Elvis Presley, vous voyez, les jambes flageolantes. Donc j'ai été m'acheter un détecteur de métaux, et on a trouvé ici en trois fois sans forcer 12,5 tonnes de munitions. On a sorti 2 cadavres. Les Allemands arrivent ici le 18 juin 1940. Ils arrivent non pas avec leur mobylette, mais avec leur sidecar, leur camion. C'était la stupeur. On a perdu la bataille de France en moins de 3 semaines. Et la veille au soir, les Bucailles entendent que les Allemands sont au nord de Paris. Le lendemain, à 14h, ils déboulent ici. Ils rentrent dans le manoir, ils font le tour. Et ils ont la joie d'annoncer à monsieur et madame Bucaille, réquisitionne, Raoste. Donc les officiers vont occuper le manoir pendant 3 mois. Chaque jour, les Allemands viennent ici faire du marché noir avec les fermiers. Dans cette zone des marais,
Les gens qui étaient soit fermiers, soit agriculteurs ont tous gagné beaucoup d'argent. Donc, comme ils ont partagé les mêmes valeurs que le maréchal, travail, famille, patrie, vous avez dû apprendre ça à l'école, eh bien ça s'est passé très bien avec les Allemands. Quand on interviewe les Allemands de l'époque, ils vous disent « Ah nous, Françaises, oh, Fräulein, gentil, bien reçu !» C'est-à-dire que les Allemands ici, comme il n'y a pas de résistants, ben, ça se passe très bien. On arrive dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Vers minuit moins le quart, donc les butailles sont dans leur manoir et ils entendent des milliers d'avions qui passent au-dessus de la maison avec des tirs. Les murs tremblent, pourtant les murs font 1m20 d'épaisseur ici. Hein. Et M. Bucaille ouvre la fenêtre de la chambre, du couloir que vous allez voir tout à l'heure. Et puis il entend ces avions qui volent très bas, entre 800 et 900 mètres. Donc il y avait ici 12 Niemeyerbombes qui ont sauté dans le secteur. Les 12 survivants se sont regroupés dans la ferme qui était un peu isolée. Alors ils ont perdu des munitions, d'alimentation, ils sont totalement paumés. Les trois quarts de ces gars-là, quand ils sont tombés dans le marais, qui avait été inondé par le maréchal Rommel pour éviter les parachutages et les atterrissages d'avions. Quand ils ont sauté, les pauvres gars, ils faisaient plus de 130 kilos, qui se sont noyés dans 1m20 d'eau. Alors j'ai enregistré le témoignage d'une dame qui habitait une ferme qui se trouve derrière, qui en allait en traire ses vaches le matin, a vu ces pauvres gars qui flottaient dans l'eau, dans 1 mètre d'eau. Ils ont retiré plus de 280 corps dans l'eau après. Le lendemain du débarquement, le 7 juin 1944, les parachutistes arrivent ici allemands. Ils sont stationnés depuis janvier 1944 à l'Aigle du Puy, qui se trouve en 2 mètres. Ce sont les meilleures unités d'élite au monde. Campagne de Crète, campagne d'Italie, campagne de Russie. Les soldats ont 27 ans de blindage et les officiers 40. Donc quand ils déboulent ici dans le chemin, les Américains partent en courant sans tirer un coin à 14h. Alors vous voyez la grande photo sur votre droite, la grande photo à droite. Le gars qui a le casque sur la tête, c'est le major Van der Heyden, le chef des para-allemands. Et celui qui est à côté avec la croix de fer, la décoration, c'est Ostendorf, le chef des SS. Bah, cette photo a été prise au bout du chemin où vous êtes arrivé, à 14h le 12 juin 1944. Leur objectif, c'est de reprendre 40 ans sur ordre d'Hitler et de rejeter les envois et la compagnie H. La maison est prise 3 fois, ils se battent au corps. À la fin de la bataille, les Allemands n'ont plus de munitions, c'est ce qui vont les perdre d'ailleurs en Normandie. Ils se replient sur le village et le général Barton qui a débarqué en face à Utabich arrive par les vues. Vous savez combien ça pèse un Sherman? Ça fait 28 tonnes. C'est 28 tonnes. Ils ont roulé sur les gars qui étaient blessés sur la route là, aussi bien allemands que américains, aussi bien vivants que morts. Ça a été l'horreur. Et les Américains ont appelé cette colline, le dégage. Ça veut dire la ravine. Vous voyez, la guerre est une saloperie. Moi, je me rangerai toujours derrière les Américains parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont mis fin au nazisme. Pensez aux 6 millions de Juifs qui ont été liquidés dans les camps de concentration. Pensez aux 2 millions de Tziganes, hein, ceux qu'on appelle aujourd'hui les voleurs de poules, qui ont été liquidés dans les camps de concentration. Pensez aux communistes, pensez aux résistants. Pensez à tous les gens qui ont été éliminés dans les camps, et ça on ne peut pas le défendre. Mais la guerre, vous savez, c'est quelque chose d'abominable. Vous foutez un mec dans un uniforme, moi je peux en parler, j'ai été militaire pendant 1 an, c'était pas la période de ma vie où j'étais le mec le plus intelligent. Donc ça, c'est la paix qu'il faut défendre, c'est pas la guerre, c'est la paix. Parce qu'une fois que la guerre a déclenché, c'est fini. Quand les militaires prennent le pouvoir, vous savez, la vie humaine, ça vaut plus rien. Voilà. Donc ça, j'espère que vous l'avez bien enregistré. Et vous n'entendrez jamais dans les musées la moindre critique. Bien, maintenant on va aller voir les vestiges. Alors les civils, il y a eu en Normandie entre 20 et 23 000 civils de tués, les trois quarts dans les bombardements. Ces chiffres, on dit entre 20 et 23 000 parce qu'on ne sait pas. Je t'arrête tout de suite. Tu t'appelles comment? Gabriel, t'es mort. T'as déjà sauté sur une mine. Non, pas une mine, mais il serait déjà pris une balle. Là en face, il passera pas. Alors imaginez les Américains. On vient pas. Tu peux revenir, c'est bon. La démonstration est faite. Alors d'abord, dans la guerre, on a appelé ça la guerre des. Les haies sont tellement denses dans le Cotentin que les Américains, le général Collins a appelé ça the jungle, la jungle. Le problème, c'est que les Américains, ce sont des bons sportifs. Les para-américains sont bien entraînés, ils font le 100 mètres en 12 ou 13 secondes. Mais ils n'ont aucune connaissance du terrain et de la guerre. Même les officiers n'ont pas fait la guerre. Il n'y a que Patton qui a fait la guerre de 14, mais toute la grande équipe ne se sont jamais battus. Donc les en 1944, elles sont toutes comme ça. Il y a eu le remembrement en Normandie, donc il manque beaucoup d'arbres. Mais ça a été la galère pour eux. Voilà. Et ici, les démineurs ont enlevé 7 tonnes de munitions.
Tous les objets que vous allez voir maintenant dans le parcours ont été trouvés ici, ont été remis dans la même position, on les a trouvés. Alors, ils ont été traités. Et au fond, là-bas, on a trouvé dans le trou un demi-corps avec une botte sur la jambe gauche. Donc, on a supposé que c'était un Allemand, soldat inconnu. Vous avez ici un obus américain. Ça, c'est un casque d'infanterie américaine et ça, c'est ce qui reste du fusil garand que vous avez avec vous sur toi. Voilà. Alors, c'est une maison classée, protégée par les monuments historiques, donc les toitures façades sont protégées, les boiseries, les trumeaux de cheminée, les cheminées, etc. Et les planchers. Le premier cadavre qu'ils ont trouvé en rentrant, c'est ici. Ils ont trouvé un Allemand avec une balle dans le milieu du front qui était en train de tirer par la fenêtre et il s'est fait descendre. Nous quittons le gîte de Tribéou dans la Manche, direction Sainte-Honorine de la Chardonne dans l'Orne.